J'ai dit c'est qui? C'est qui? Madeleine, remets mon téléphone. Tu peux m'expliquer c'est qui? C'est qui Z-Ker là que tu as mis? Va chercher c'est qui Z. J'ai surpris Marlène à train de parler avec un homme au nom de Z-Ker. Je voulais savoir c'était qui. Elle s'est fâchée, elle est partie. J'ai vite compris que ça ne sera pas facile pour arranger les choses. Je dois vite passer à l'étape supérieure. Chérie, ça va faire plus de 2 mois que je t'ai jamais touché. Bébé, ça va. J'ai envie qu'on passe un petit moment d'intimité, s'il te plaît. Tu peux tenir deux mois de plus. Mais j'en peux plus. J'ai une femme à la maison. Mais la femme, elle est fatiguée. Tu m'as pas épousée. Tu dois t'oublier ça. Va, va dormir, s'il te plaît. J'étais là, je dormais, je faisais des beaux rêves. Après, tu vas me dire que c'est moi qui cherche des problèmes. C'est toi, à 3h du matin, tu vas me chercher pour me réveiller. Ça va faire 2 mois que Marlène dort au salon et elle ne veut pas que je la touche. C'est pas aussi dans mes habitudes d'aller voir ailleurs. J'ai demandé à mon ami Zaga d'aller parler avec ma petite amie Charlène pour qu'on essaye d'arranger les choses. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Ah, moi, je comprends pas. T'es avec une femme et t'aimes plus. Tu le sais. Pourquoi il va demander de te supplier, de venir me parler comme si lui, je l'accepte pas, c'est pas toi que. Voilà, je t'ai écouté. Il est à la maison, je l'ai laissé sur le canapé et j'ai même donné une couette qui dort là. Bébé, t'es pas gentil. Bah écoute, moi, je vais dormir ici au chaud. Je l'ai dit que je sortais, mais bon. Mm-hmm. N'a qu'à galérer. Viens, on va aller dans la chambre. T'entends, tu fous de ma gueule. Tu me demandes en mariage là? T'es sérieux? T'habites chez moi. Tu veux m'épouser, t'es sûr de ça? On va vivre où? Oh, chez moi. Réfléchis un peu la prochaine fois, ça va. Lève-toi, t'es ridicule. C'était ma dernière carte. Malheureusement, ça n'a pas marché. Aimez et partagez la vidéo, s'il vous plaît.